Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce 21e dimanche nous rappelle cet évangile qui m'a toujours beaucoup plu, car il nous parle de la grande miséricorde de Dieu. Mais il nous parle aussi du peu de miséricorde de l'être humain. En effet, on attend de Dieu d'être pardonné sans cesse, d'être protégé, d'être remis de toutes nos dettes, de tous nos problèmes. Mais nous, souvent, on a du mal à faire la même chose avec notre prochain. Et encore une fois, Jésus nous remet un petit peu à notre place. Car il ne faut pas se leurrer, le Christ n'est pas là pour nous conforter dans nos petites habitudes. Au contraire, il nous fait bouger. Il nous fait prendre conscience, comme je vous l'ai déjà dit souvent, de notre état. Il nous fait même reconnaître, et il nous invite à reconnaître que nous avons nos défauts, mais il veut quand même que nous changions, que nous bougions, pas que nous restions enfermés dans un état de fait. Pourquoi c'est comme ça, en ce moment, il faudra changer. Si tu peux changer, tu as tous les éléments pour le faire. Et encore plus, avec cet évangile-là, oui, nous met bien les points sur les i. Il faut reconnaître que c'est assez comique. Le Seigneur remet une dette énorme à quelqu'un et l'autre va épargner son copain pour 10 euros. Waouh! Ça revient, ça nous rappelle aussi une autre phrase de l'évangile. Ne jugez pas votre prochain de peur d'être jugé de la même manière. Là, c'est dans le sens inverse, mais au contraire, le serviteur aurait dû aller voir celui qui lui donnait 10 euros en lui disant « Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. » Attends, la preuve. Mais non. On a souvent du mal à réagir à la place du Christ. Comment lui aurait fait? Et c'est pas pour des dettes financières que nous, des fois, on m'a déjà dit, ouais, mais le Christ, il parle bien souvent d'argent. Peut-être parce que c'est le seul truc que les humains comprennent. C'est vrai qu'il utilise souvent dans ses paraboles ce truc de l'argent. Et donc, peut-être qu'on est aussi à l'esprit au-dessus, qu'on a tendance à comprendre que ce langage-là. Mais ça va plus loin. Il y a d'ailleurs même des traductions du Notre Père qui disent au lieu de pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et je sais dans l'orthodoxie, justement, on dit remets-nous nos dettes comme nous les remettrons à nos débiteurs. C'est pas mal et c'est pas bête du tout. D'ailleurs, en latin, la phrase en latin parle bien de la remise des dettes. Car ça va plus loin que juste pardonner les offenses. Ça, je dirais à la rigueur, c'est encore assez facile. Mais remettre sa dette à quelqu'un, ça va bien plus loin. Combien de fois j'entends, et moi ça me révulse, quand quelqu'un fait quelque chose, ou vous donne quelque chose, 20 ans après, heureusement, hein, tu te souviens quand je t'ai donné ça? Eh, oh, si tu l'as donné, il n'y a pas de dette. C'est pas la peine de le rappeler toutes les 5 minutes. Mais c'est exactement ça. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite et vice versa. Et là, souvent, on a du mal. On aime bien, parce que c'est gratifiant pour soi-même. On doit le faire aussi, on est toujours plus certain. De dire, ah, je me souviens quand je t'ai aidé. Mais en fait, psychologiquement, et même dans l'univers, c'est imposer une dette à quelqu'un qui n'existe pas. Si tu as donné quelque chose, que ça soit matériel ou un coup de main, tu l'as donné. Ou alors tu préviens tout de suite. Bon, écoute, je t'aide, hein, mais... Alors là, on n'est plus dans la foi chrétienne, on est plutôt dans le parrain.
C'est de la gueule parlée, hein, l'un qui dit ok, je te rends un service, mais peut-être dans 10 ans, je viendrai frapper à ta porte et tu devras me rendre un service aussi. Mais là, c'est toute la foi chrétienne, ça s'appelle mafia, c'est plus la même chose. Je vois ce qu'ils ont dit, je vais te dire. Ils savent exactement qu'est-ce que ça fait. D'accord, ça m'est tout à fait, je connais aussi. Mais c'est tellement vrai. Mais il faut être clair, net et précis. Mais ne pas aller rendre service à quelqu'un ou l'aider et tout, et pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ah, je me souviens, on n'oublie pas. Mais là, c'est un poids qu'on met sur les épaules de quelqu'un. On le charge. Et cette personne, toute sa vie, l'a fait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je prends tout. Qu'est-ce que je lui dois aussi? Tout ça, c'est des petites bêtises quand on est humain, en fait. Tous. Mais on charge les autres. Et quand je vous parle des fois de lier, de délier, d'enlever ce fardeau qu'on a sur les épaules, ça fait partie de ces fardeaux qu'on met sur les épaules des autres. Des fois, on se les charge soi-même. Parce que là aussi, quand on demande à Dieu de nous pardonner ou de nous remettre nos dettes, qu'on reçoit le sacrement du pardon durant la messe, l'absolution, qu'on est délié, c'est pas pour en ressortant d'ici se dire « Oh mon Dieu, je te rends compte, j'ai fait ça il y a 10 ans. Oh, c'est bon, tu viens de demander pardon, le Seigneur te le donne, c'est pas pour que tu remets, que tu repartes en remontant ton sac de plomb sur le dos. » On n'est pas là pour ça. Quand on vient à l'église, c'est justement pour déposer son fardeau. Enfin, vous voyez, c'est automatique non plus, hein. On dit bien dans la formule, du moment que vous en ayez la ferme volonté, on va mentir. Si c'est pour faire toutes les conneries du monde, aller le dimanche se faire nettoyer et faire commencer aussi sec, même si le Christ nous a dit pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, c'est énorme. Hein. Mais, ça veut dire qu'il faut quand même aussi de temps en temps un petit peu se reprendre en main et dire bon, oui, ok, là, il faut que je me calme. Mais on ne doit pas repartir de l'église tel qu'on est. Peut-être c'est ça le message. Quand on vient pour un office, on vient se remettre à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur, sur le dos, sur les bras, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous. On vient aussi lui rendre grâce et le remercier, ça ne pourrait pas oublier non plus. Mais on vient quand même pour lui offrir tout ça, se décharger. Alors c'est pas pour en repartant, recommencer à faire les mêmes bêtises, et ramener ma nouvelle, parce que des ramènes, il y a beaucoup de choses. Les ramènes humaines, mais à le persévérer dans les mains, ça vient du diable là. Donc c'est pas pour recommencer quand on sort. Mais c'est pas non plus pour se rappeler les conneries qu'on a fait il y a 25 ou 30 ans et se torturer l'esprit avec ça. Il faut se décharger de tout ça. La vie quotidienne est déjà assez compliquée, donc on soit encore obligé de se trimballer, passer sur les épaules et sur le dos. Une pardon. C'est pas ce qu'il y a fait. Mais on n'est pas obligé. Le Seigneur est venu justement pour ça. Il est venu pour nous remettre notre dette. Tout. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a ressuscité les morts. C'est pour ça que la semaine dernière, nous l'avons célébré sous le vocable du Saint Rédempteur. Le Rédempteur. Celui qui nous met à l'enfance, qui nous change, qui nous transforme. Alors laissons-nous transformer par le Christ. Et que chaque messe à laquelle nous assistons soit une transformation. On devrait sortir d'ici à chaque fois différent. Pas le visage, mais on devrait emporter quelque chose à chaque fois et se dire là, il faut que ça change. Là, il faut qu'on passe à autre chose. Et tout cela, on ne fait pas tout seul. On a la force du Christ pour cela. Il est là, il nous aide, il nous soutient. Tout, il nous donne tout ce dont on a besoin.
pourquoi le faire. Vous devez vouloir le faire. Et la volonté, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais quand on vient à la messe, en plus, la liturgie gallicane a cette richesse qu'on reçoit trois sacrements à chaque messe. La vie de la messe du dimanche, en tout cas. L'Eucharistie, c'est comme le sommet de la vie chrétienne. Le pardon des péchés et la délivrance, la solution, et le sacrement des malades à la fin. Trois en un, mais non. Vous allez dire, tout ça gratuitement, tout ça. C'est la meilleure des promotions. Mais le Christ, il s'offre à nous dans trois sacrements différents. Le dimanche. Il y a vraiment de quoi sortir transformé, amélioré, bonifié, purifié. Il y en a qui vont dire encore que ça ressemble au métal quand on est au feu, mais c'est à peu près ça. C'est exactement ça. On nous purifie, on enlève tous les scories pour être de mieux en mieux, meilleur, un métal parfait. Après, on se considère les chrétiens comme des cloches parce qu'il faut non pas garder ça pour soi, mais quand on sort d'ici, il faut pouvoir le dire aux autres. Mais c'est génial ce que je dis. On parlait de la foi la semaine dernière, on en a déjà parlé cette semaine dans une homélie, et on se posait encore la question, qu'est-ce que c'est que la foi ? Si quelqu'un vous dit, bah, la foi c'est je crois à ça, non ? La foi c'est pas les croyances. On peut tous croire à plein de choses. Mais est-ce que c'est ça qui te fait vivre ? Est-ce que c'est ça qui te chauffe le cœur, qui te le fait battre tous les jours ? Est-ce que le Christ est là au plus profond de moi et me fait bouger ? Cette foi bénéficiante. Mais comme le Seigneur est quelqu'un de bon, il sait très bien qu'on ne peut pas vivre juste comme ça. Alors c'est beau, hein, j'apprécierais quand on dira, mais la foi, c'est croire en esprit, en vérité, et on n'a pas besoin d'autre chose. On reste que des humains. Et les humains, ils ont moins de complexes, ils ont moins de matériel. Moi, quand on me dit, oh, c'est bon, je crois tout seul chez moi, oui, mais il manque quelque chose. Et à un moment donné, la foi, elle s'appelle. Elle devient terne. Elle part un peu dans tous les sens parce qu'on est tenté de croire à plein de trucs. Mais les sacrements, moi, je sais que j'en ai un besoin vital. Communier. Même quand je ne célèbre pas la messe quand je suis en déplacement et que c'est compliqué, essayez de célébrer même dans une chambre d'hôtel à Paris, vous n'arrivez même pas à passer entre lui et le mur. Ben, je vais à la messe dans l'église la plus proche pour pouvoir communier, pour pouvoir me nourrir aussi. Ça fait du bien d'écouter les autres prêcher. Ah oui, ça vous fait pas Donc ça fait du bien d'écouter les autres et de se nourrir. Et moi, personnellement, c'est vital. J'en ai besoin. Parce que ça nourrit ma foi. Ça la fait grandir. En fait, la foi, c'est comme un fruit. La fleur du soldat inconnu, vous savez, tous les soirs, il faut mettre un peu de gaz pour qu'elle se ranime. Les sacrements, c'est ça. Quand on reçoit l'Eucharistie, quand on reçoit le pardon, bah, l'Eucharistie, c'est ça, c'est le gaz pour un. Ah, allez, ça ne rentre pas. L'Eucharistie, le pardon, je vais utiliser un terme un peu, c'est le ramonage de la cheminée. Le feu, il ne prend pas bien si la cheminée est bouchée. Bah, quand on se bouche toutes les conneries, pour le péché et tout ça, bah, la cheminée, elle, avec le ciel, elle est fermée. Et du coup, il n'y a plus d'air. Et le feu, il s'éteint.
C'est des images, mais pour les sacrements, c'est ça. Alors, où sont notre foi? Dégageons tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous bouffe, tout ce qui nous étouffe. Imaginez donc tout ce qui est dans nos, au fond de nos tripes et qui nous emprisonne. Laissons ça ailleurs. Donnons-le au Seigneur. Il est venu pour nous prendre, pour nous enlever tout ça. Laissons-nous nettoyer par le Christ. Et surtout, n'oublions pas que tout ce qu'il fait pour nous, nous sommes appelés à faire pour les autres. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aux autres. Si nous ne le faisons pas, on ne peut pas exiger du Seigneur qu'il le fasse pour nous. Hein. C'est facile de demander des choses que nous, on n'est pas capable de donner aux autres. C'est comme pour le travail. Hein. Quand quelqu'un demande aux autres de travailler avec lui, il n'est pas capable de le faire, c'est leur souci. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous nourrir par le Christ. Approchons-nous des sacrements. Supplions Dieu de toujours nous faire ressentir au plus profond de nous la présence réelle du Christ, la sainte présence, comme disait notre Père Saint-Pierre.